trading de haute fréquence, c'est quoi? Ce sont des ordinateurs qui passent des ordres d'achat et de vente en bourse, mais à une vitesse défiant l'entendement. Ce qui est fascinant, c'est qu'actuellement, en volume, ce sont les ordinateurs qui commandent. Ce sont les ordinateurs qui passent le plus grand nombre de volumes. Plus de 80% des ordres aux États-Unis se font par ordinateur. Et c'est vrai qu'on peut imaginer soit une prise de contrôle de ces ordinateurs, parce que tout ça s'est relié sur Internet, ou alors quelqu'un en interne qui est mal intentionné. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas eu connaissance de mafias qui tiennent le trading haute fréquence, mais pourquoi pas? Tout ça n'est qu'une question d'argent. Je définirais le trading à haute fréquence comme une innovation financière qui existe depuis une bonne dizaine d'années et qui consiste à partir d'ordinateurs super puissants à envoyer des milliers d'ordres dans un laps de temps extrêmement court et en annuler aussitôt plus de 90%. C'est pour moi de la manipulation de marché avec des risques importants pour les marchés. Que se passe-t-il si les ordinateurs s'emballent? Tout le monde sait, dans ce milieu, qu'un crack provoqué par des ordinateurs à longue échelle pourrait être catastrophique. Catastrophique parce que l'être humain ne pourrait peut-être pas savoir comment les arrêter. Quand tout va bien, le trading électronique ne dérange personne. C'est juste un ordinateur qui a des limites et qui travaille en fonction des limites qu'on lui a données. Quand par contre, il y a un événement qui est inhabituel dans une séance boursière, il arrive que ces ordinateurs amplifient sensiblement la direction du marché. Donc quand il y a une panique, il donne encore plus de raisons de paniquer, mais dans une séance normale, on n'a pas trop à s'inquiéter. Vous savez, dans la prochaine crise financière, on ne sait pas du tout comment réagiront les robots. Voilà 10 ans qu'on parle des problèmes, des excès, des risques du trading à haute fréquence, et que pour l'instant, on n'a rien fait. 10 ans après, il n'y a pas de mesures qui soient en place. Les règles efficaces peuvent être énoncées en très peu de mots. Toute petite taxation sur les ordres annulés, et puis le problème est réglé. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de plusieurs pages pour édicter cette règle. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est une donnée de notre monde. Et je trouve intéressant de le traiter, de le porter à la connaissance de certains lecteurs. Moi, personnellement, ça ne me fascine pas. Ça me terrifie un peu, c'est tout.